toujours été ainsi. Dans cet état de paix absolue. Les inégalités n'existent pas et n'ont jamais existé. Personne ici ne peut imaginer les choses autrement. Ni de passé, ni de futur. Éventuellement différent à notre présent. Ce lieu a vu naître mes proches, m'a vu naître. Il nous verra sûrement tous mourir. Les choses sont ainsi depuis que les flux magiques sont contrôlés par l'église de l'astralité. Ils possèdent le pouvoir de réveiller cette magie et de la maîtriser dans toutes ses subtilités. Les plus riches et les nobles sont les seuls à avoir accès à cette éducation religieuse. Nous, nous sommes réduits à vivre dans la misère et l'esclavage. Quelques années avant ma naissance, une propagande fut organisée. Elle disait vouloir permettre aux enfants défavorisés un accès à l'éducation et l'apprentissage des incantations. Mais celle-ci fut un échec. Alors, ils envoyèrent des mages en but d'une rafle de nouveau-nés. Ils les transformèrent en miliciens à leur service et sans envie propre. Mia ? Quoi ? Tu penses qu'on peut réellement devenir ce qu'on veut ? Tu entends quoi par ce qu'on veut ? Je te rappelle qu'on doit être précise dans l'utilisation de notre langage. Je sais, c'est la règle. C'est la loi même, et tu te dois de la respecter. Sinon je... Tu devras partir. Je te reverrai plus. Mais pour répondre à ta question, je suis sûre qu'on peut devenir ce qu'on veut. Enfin, c'est ce qu'ils nous disent depuis toujours. Pourquoi ils nous auraient menti? Je sais pas, mais t'imagines? Si on pouvait pas devenir ce qu'on veut, ce serait laisser à l'homme pas user de son libre arbitre, non? Depuis quand tu remets tout en question comme ça? C'est dans ton institut d'enseignement qu'ils vous apprennent des choses comme ça? Non, c'est pas ça, c'est juste que... C'est tard là, on aurait dû rentrer avant le couvre-feu. À demain alors. À demain. Mia! Hey, ça va? T'es pas mentionné ce que je disais? Bah regarde, je me concentre. Et on sait tous les deux le faire. Oui, mais est-ce que vous savez faire ça? Bon, je dois y aller. Continuez à réviser, hein. Comme ça bientôt vous deviendrez meilleur que moi. Tu vas où? Je vais y rejoindre mon frère et sœur. Il faut que eux aussi ils apprennent à contrôler leur magie. D'accord. Cela me désole d'entretenir chez des êtres si insouciants l'espoir que tout cela n'est qu'un jeu, alors que viendra un jour où ils devront user de cette magie qui les fait rêver, afin de se battre à mes côtés et de défendre notre cause. Tout ce que je leur enseigne a pour but de les préparer au moment où il faudra renverser l'église de l'astralité pour enfin être libre. Et l'heure de combattre viendra sans doute plus vite que prévu. Thank you.